Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans une autre courte vidéo si vous avez vu la précédente pour vous montrer comment obtenir le panorama qui se situe au lieu remarquable, la chambre intérieure qui est sous Tahrir, donc au bassin aurique. Il y a une façon très simple d'y arriver. Quelques joueurs me demandaient tout le temps des envoûteurs parce qu'ils n'arrivent pas à faire l'aventure ou le jumping. Rigolez pas derrière votre écran, je vous vois, il y en a qui ont du mal. Donc, je vais vous montrer une façon très très simple, qui n'est pas forcément compliquée à trouver, mais encore faut-il y penser. Donc, qui est de venir dans la chambre, d'avoir l'aventure qui soit activée, c'est important, puisqu'en fait, on va lancer le défi, enfin l'aventure, on fait jouer. À partir de ce moment-là, on ne va pas faire le trajet normal, on a les pouvoirs de Brill, c'est tout ce dont on a besoin. On va revenir à pied, tranquillement. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir, hein, déjà, voilà, c'est pas dur du tout. On se met ici. Voilà, on peut se mettre un peu plus haut. Enfin, ça marche très bien de même depuis l'exalté, par exemple, je pense. On va voir. On prend la compétence 3. On cible tout en haut. Vous voyez, je mets la cible comme ça. Je lâche le 3. Hop. Et ça marche tout seul. On n'a plus qu'à descendre et prendre le panorama. Voilà, j'espère que cette très courte vidéo vous aura aidé à finir votre exploration malgré les difficultés. Et je vous retrouve dans une future vidéo. Bye bye!